Cher Père Noël, pour mon 6e Noël, je voudrais une machine à écrire. Cher Père Noël, pour mon 8e Noël, je voudrais une machine à écrire. Cher Père Noël, pour mon 10e Noël, je voudrais une machine à écrire. C'est vous, Georges? Bon, je vous préviens, je prends le cadeau, hein. Le soir de Noël, Alice était joyeuse. Elle s'était allongée dans son lit. Son chocolat et son film de Noël préféré l'attendaient patiemment. Non, Elisa, non, tu ne vis pas dans un film. Quand même, il n'y a qu'une seule façon de le vérifier. Elle avait lancé la chanson « All I Want for Christmas » pour se mettre dans l'ambiance. Tout va bien. C'est à ce moment-là que son téléphone se mit à sonner. Quand elle vit que son béguin depuis 2 ans se décidait enfin à l'appeler, elle faillit sauter de joie. Elle décida de ne pas décrocher pour ne pas dire n'importe quoi, comme à son habitude. Mais Julien lui laissa un message où il lui avoua clairement son amour. Pas comme quand il la voyait en face où il n'était pas très explicite. Non, là, il lui dit clairement. Par miracle, les bottines qu'elle admirait dans la vitrine depuis des lustres apparurent dans sa chambre. La magie de Noël, sans aucun doute. Les cadeaux qu'elle n'avait pas eu le temps d'acheter pour sa famille apparurent sans qu'elle n'ait à dépenser le moindre argent. La guirlande qui avait grillé la veille fonctionnait à nouveau,